Voilà, j'avais fait une mission avec lui, mais ça promettait un peu de bajar, et du coup, je me tâte à fuir. La sortie, c'est par là. Eh bien, je me casse alors dans ce cas. Salut! Pas très aimable, hein, ce type. Je viens à peine de le rencontrer, et déjà, on sent que ce sera pas un grand pote. Donc voilà quoi. Hein. Attends, c'est là vraiment la sortie? Donne-moi tes cartes. Donne-moi le cendrier. Je me casse. Mais c'est bizarre, je me casse par le sous-sol là de cet endroit? Bizarre. Hein. Je t'écoute. Quoi? Test de stabilité, la liaison de ton côté, elle marche. Ouais, on dirait. Eh ben c'est super. Attends, mais je crois que je vais quitter la mission. Hein. Il me fait. Enfin, je vais tester quand même. On sait jamais. Hein, si ça se trouve, ça passe. Hein. Salut. Attends, c'est loin là la mission? Excusez-moi, hein. C'est loin? Ouais. Il me faut une watcher. Pas très sympa de ne pas s'arrêter pour me laisser pas me laisser la voiture. Hein. Je retiendrai. Ah, elle est parfaite celle-là. Elle est à ma taille. Allez. Tu me donnes. Tu me prêtes. Oula. Elle est très peu maniable en tout cas. Par contre. Voilà. On est mieux là. Pourquoi tu me dis ça? J'étais pas en train de me tuer, j'étais en train de trouver un véhicule. C'est tout, hein. Y a pas de K-pop en radio? Attends. Bon, y a pas marqué K-pop. Écoute, on va dire que c'est de la K-pop. Oula, non. On a qu'à dire que si, hein. C'était maîtrisé de fou, hein. En vrai, j'aime bien. Oh non. C'est fini la musique. C'est mes gars, va les voir. Ils sont gentils. Coucou les potes. Oui. Il paraît que vous savez comment on entre. Oui, garage, derrière. Mais chut, pas de bruit, ok? Il s'est passé des trucs intéressants là-dedans. Depuis qu'on est là, tout est calme. Personne n'est entré ou sorti? Ben, ils sont sentis faire des courses une fois. Ok. On va devoir se battre là. Mais c'est bon, j'y vais!
quand même fou ça, on se fait engueuler alors qu'on est en plein footing. Attends, comment je fais déjà? Comme ça. J'ai peur, hein. Je sens que ça va mal se passer encore. Tu me montres tes muscles. Viens te battre. Oula. Je suis trop loin, il y a trop de recul. Je vais mourir. Aïe. Je sais pas combien de rafales il leur faut, ça me saoule. Genre... Je comprends que je vise mal et que je suis trop loin et que si et que, le, et que machin. Mais quand même, je vide mon chargeur sur eux quoi. Je veux bien comprendre que je sois de mauvaise foi, mais quand même, je suis pas trop de mauvaise foi. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est mes gars, pas les voir. Bon, allez là, vite, oui. Il paraît que vous savez comment on entre. Oui, garage, derrière. Bon, ben allez. C'est pas... Désolé. J'en reviens. Peut-être que mes armes elles puent la merde. Hein. C'est aussi ça. Hein. Je sais pas. Comment ça? Mais il faut encore que je leur parle? Et donc? On parlait de quoi déjà?
s'est passé des trucs intéressants là-dedans? Depuis qu'on est là, tout est calme. Personne n'est entré ou sorti? Ben... Ils sont sentis faire des coups aussi une fois. C'est des armes qui sont meilleures, non? Je comprends pas. Et là, si j'équipe lui plutôt, déjà ce sera mieux, non? Il fait 228 de DPS. Déjà, si je mets une arme qui fait plus de dégâts, c'est quand même mieux déjà, je pense. Je pense. On va essayer avec ça. Pourquoi ? Tu t'ennuies ? On va essayer avec ça. Avec ça. Y a pas moyen que je sois un peu plus discrète. Bizarre le viseur, hein. Ça se passe mieux déjà, non? Bombe pas! Ah,
Ok, j'y suis. Je vois la camionnette. Trouve-la. Ouais. Au secours, il y a une coupure d'internet au bureau. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Comment je monte là-haut, moi? La caméra dans le couloir. Évite-la. Ça marche, au moins? T'as dit que l'endroit était abandonné depuis des années. Il ne l'est plus. Les animaux ont réparé les caméras. Elle est où, la caméra? J'ai pas vu. Et ça? C'est quoi ça? Ah, je peux mettre les cordes là si j'ai envie, ok. Une caméra là. Attends, c'était qui ça? À ton avis, le runner qu'on cherche a essayé de t'envahir. Avec la glace supplémentaire qu'on t'a fournie, tu crains rien pour l'instant. Donc, il sait que je suis là. Oh non! Mais recule. Ah mais il a... Ah oui d'accord. Il a fermé. Ce petit bâtard. Pardon. Aïe. Vite, je suis en train de mourir. J'ai plus de mun. Attendez, j'ai plus de munitions. Mais je fais comment? C'est ça mon problème en fait. J'ai pas de munitions de pistolet?
Pan, le pistolet. Vas-y, donne-moi ça, j'ai des munitions de ça. On va dire que oui. Comment ça? Oh non, mais je vais me faire défoncer là comme ça. Je fais pas assez mal. Et je tire pas assez vite. Non. J'ai tiré sur WAM. J'ai tiré sur WAM. Ouais, c'est ça, ouais! Il est où le. Il est où? Je le vois pas! Dis-moi que ça save à un moment donné, s'il te plaît, par pitié. Par pitié, par pitié, par pitié, le jeu. Ok, j'y suis. Ok. Je vois la camionnette, trouve-la. Ouais. Alors. Au moins, t'as dit que l'endroit était abandonné depuis des années. Il ne l'est plus. Les animaux ont réparé les camions. Attends, c'était qui ça? À ton avis, le runner qu'on cherche a essayé de t'envahir. L'agent essaie de couper ta liaison. Pas bien à quoi ça sert ça. Tu vas comprendre ta douleur. Qui ça? Wow! Thank you.
Mais putain, mais prends-le, voilà. Aïe! Planquez vos couilles! Planque-les bien! Alors. Donne-moi un gun qui fait mal là, please. Parce que. Par définition, un gun. Ça, je vais avoir des mules de ça. Pas du tout. Je suis en train de me faire destroy. Donne-moi lui, hein. C'est le moins dégueu que j'ai, non? Tu veux mourir ou quoi? Non, je veux pas. C'est moi. Enfin, je crois. Quoi, j'ai plus de balles déjà? Oh non. Oh non. Attends. Mais comment on peut avoir aussi peu de munitions dans ce jeu? C'est un truc de fou, non? Ça me rend folle. Donne-moi le... Il est où? Il est où mon fusil à pompe là? Voilà celui-là. Oh là là, je vais mourir. Coincez-moi cette salope! Mais je crois que j'ai plus que deux munes. On va aller loin là. Ouais bah moi je loot. Chacun son truc. C'est la triomphe centrale. Cherche la camionnette. On va s'amuser. Mais dis-moi que j'ai eu des munitions là. Comment je fais pour avoir des munitions? Avec tous les corps que je tue là. Monsieur, un peu de tenue. J'ai pas le temps de regarder ce que je loot en plus. Qu'est-ce que c'est? Merde, faut que je recharge.
Oh là là. Mais non, mais combien ils sont ? Au secours ! Y a plus d'entrée. Comment ça? Non mais ils sont trop nombreux, ils sont trop... J'ai envie de pleurer. Non, je suis dégoûtée. J'étais trop bien là. Fallait que je reste là-haut. Ok, j'y suis. Non, je faut que je refasse. Trouve-la. Ouais. Je me casse. J'en ai marre. Déjà, je ramasse pas tout aussi. Après, j'ai l'impression que c'est juste des armes. Hein. Pourquoi les armes, elles ont pas de munitions ? Je vais faire une autre mission. Hein. Je vais faire... Je vais faire une mission qui demande pas de skill. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Donne-moi une mission annexe où le danger est moyen. Le jeu, il a pas compris que je suis nulle. Pourtant, je lui ai donné pas mal de signaux. Comme déjà le signal principal, c'est... Je lui ai dit que je voulais le jeu en facile. Comment je fais pour arrêter la quête? Je sais pas. Il se moque de moi. Do you mock de me? Do you mock de moi? Comment on dit se moquer? Je compatis, je suis... Mais moi je suis pas si à chier quoi. Enfin... Je pensais pas jusqu'à... jusqu'à ce que je lance le jeu quoi. Alors oui, c'est plus difficile à la manette, mais t'es censé t'en sortir avec l'aide à la visée.
Et là, j'ai l'impression que mes balles, elles font rien. Que du coup, je suis obligée de vider mes chargeurs à toute berzingue. Et que très très vite, je suis à court de munitions. Et que j'en loot pas assez, ou alors j'ai pas trop compris où est-ce que je devais chercher pour en loot. À part sur les cadavres, je vois pas trop. Bon, y a pas de voiture, hein. C'est un peu désert. C'est désertique. Vas-y. Ah oui, c'est vrai, j'ai ma moto. Vas-y, donne-moi ma moto. C'est depuis tout à l'heure, je braque des voitures, moi. Alors que j'ai ma moto, quoi. Bizarre, hein. Bébé. En fourche. Voilà, alors. Maintenant... Pourquoi? Voilà. C'est ça que je veux suivre. Et est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Mais non, ça c'est le... Ben, je comprends pas. Mais je viens pas de demander de suivre le truc là? Ça m'agace! Je sélectionne, je suis l'objectif. Sauf que il me le donne pas? Il me donne pas le... Rien du tout. Il me donne pas le... L'itinéraire GPS! Je comprends pas le jeu, hein. Je vous jure, il y a des fois, je ne comprends pas le jeu. Pourquoi rouler en moto quand tu peux voler en une Twingo? Ça, c'est une vraie bonne question. Mais franchement, je ne comprends pas le jeu. Comment je fais pour désélectionner la mission principale, là? Ou alors, il faut que je le trouve moi-même sur la carte. En plus, il me donne pas le nom des missions, là, sur la carte. Ah si, Beaten the Brat. Ah non. Mission secondaire. Je comprends rien. Vas-y, full on the hill, parler à Misty, ça a pas l'air dangereux, j'y vais. Je comprends pas le jeu. Il a l'air compliqué, mais franchement, il est... Merci Vi pour ton follow, merci beaucoup, bienvenue à toi. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas du tout instinctifs déjà au niveau des commandes. Et puis il y a des trucs qui ne fonctionnent pas comme les autres jeux. C'est... Je sais pas comment expliquer. Mais genre des fois tu veux suivre des quêtes et ils te donnent pas l'itinéraire. Pardon, pardon. Et j'ai pas compris comment je suis censée savoir qu'il y a des quêtes que... Que genre c'est... Il y a des quêtes, c'est trop ambitieux de les faire maintenant. Bizarre.
Pourquoi j'ai voulu tourner là, d'ailleurs? Puisque c'est par là qu'il faut que j'aille. Bizarre, hein. Qu'est-ce qui peut m'arriver à bord de ma moto? Pas grand-chose, je pense. Eh ben, je vais faire autre chose. M'a saoulé. C'était là-bas. C'était pas là-bas ? J'ai cru. Vite. C'est du hors-piste, ça, je le reconnais. Coucou ma pouliche. Comment il va celui-ci? Hop là. Vous avez vu le dérapage là? Ça, c'est typique des pros du hors-piste, ça. Seuls les pros du hors-piste savent déraper comme ça. Hein. Après, je veux pas flex, hein, mais j'ai des petites notions en hors-piste. Il est vrai. Vite. Waouh. Je slalom entre les voitures. Waouh. Ah, vous avez vu ça? C'était incroyable. C'était incroyable ce que j'ai fait. J'ai fait un wall slide. Vous avez vu? C'était totalement spontané. C'était une figure spontanée. Waouh! Merci. Oula. Oula, oula. Tranquille, tranquille. Wow! C'est où? C'est derrière? Boy. Oh, c'est le quartier que j'aime bien. Salut. Ah non, c'est pas toi du tout. Pardon. C'est là-bas. J'ai vu une image bizarre dans la rue. Ça m'a fait penser à toi, à ton boulot. Tu peux me la décrire? J'ai scanné, regarde. Un tarot. Un arcane majeur. T'as vu un signe d'une puissance supérieure. T'as dit quoi? Un arcane majeur? Une carte de tarot, un archétype, un savoir sous forme symbolique, une étape dans le voyage de ta vie. À toi de choisir. Bon, bref, tu dis qu'une puissance supérieure me parle à travers les tarots? À toi ou à Silverend,
ou à vous deux, vu que vous formez un tout harmonieux pour le moment. Ça simplifierait les choses si cette puissance supérieure était plus directe. Tu sais, le monde est un labyrinthe d'illusions. La lumière a du mal à éclairer la prison de notre existence terrestre. Ouais, super. Et moi, je fais quoi d'un signe que je pige pas ? Et qui vient d'une puissance dont je ne sais rien. Je commencerai par en chercher d'autres. Le tarot décrit une route. Alors, tu dois la suivre. Bizarre. Non, je marche pas. Désolée, mais les messages mystiques de l'au-delà, c'est au-delà de mes forces. À ta place, j'ignorerai pas les signes. Cherche d'autres images. Elles doivent être liées à l'endroit où tu les trouves. Pense à ce que tu vois. Si tu veux mon avis, on te les envoie pour t'aider à trouver la vérité. Mm-hmm. Trouver la vérité, c'est je sais même pas à quoi elle fait référence quand elle dit qu'elle a vu une image dans le tarot là. J'ai dû. J'ai dû effectivement le voir, mais j'ai pas fait gaffe. Je sais pas. Reviens quand tu en auras trouvé d'autres. Je t'aiderai à déchiffrer ce que t'as vu. Ouais, tu m'as vachement aidé là jusqu'à présent en fait. Hein. Je viens de te dire machin et puis tu m'as pas vraiment aidé, mais bon, ok. Ok, bon bah ok. Mais du coup, j'ai l'impression que la quête est finie. On peint le pistolet ? Écoutez, on va aller là. Hein. Mais c'est piéton ici. Moi je veux retrouver la route. Je veux retrouver la route là. Please. Là c'est la route. Hop. Il est où ma moto? Elle arrive là. Elle fait des cabrioles pour me dire bonjour, elle fait des cabrioles. Vas-y. Excusez-moi. Pardon. Allez. Vite. Je comprends pas. Faut que j'aille où? C'est-à-dire qu'il faut que j'aille là. Ah, il est fou lui. Non mais... Il est un peu fada là. Yop. C'était là. J'ai l'impression que c'est là. Hop. Là. Toujours un grand moment la conduite. Oui. Bah globalement c'est le gameplay qui me convient hein, finalement. Parce que les phases de combat c'est pas encore tout à fait ça. J'ai toujours pas compris comment il fallait se bajarrer dans le jeu. Oh waouh. Ouh là là. Donne-moi le truc gratis là, s'il te plaît. C'est un flingue, hein, non? Ça?
Pas du tout. Ah, celui-là. Acheté. Pas du tout. Par contre, mes quêtes qui ne nécessitent pas de bajar, là, elles sont faites en 2 secondes. Jeu triste. Il est où le panneau? Y a pas de panneau? Ah si. Je sais pas comment faire pour être plus forte. Peut-être qu'il faut que je fasse des quêtes où je m'entraîne ou ce genre de truc là, non? Faudrait que je demande à ma cousine qui connaît le jeu comme sa poche. Je pense que il y a des choses que j'ai pas assimilées dans le gameplay. Il y a du stuff, des skills à unlock, oui. Après, attends, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Si, j'ai 3 points d'avantage dispo. C'est quoi ça? Réduit le temps nécessaire pour viser avec la mine. La mire des fusils. Augmente les dégâts des fusils et des mitraillettes. Ah ouais. Voilà. Mais bon. Alors, vous parlez de ce qui s'est passé hier? Tout est dans le rapport. Non, je l'ai vu. Quoi? Mais les skills, je les ai quand même débloqués au fur et à mesure, tu vois. C'est pas comme si j'étais à la ramasse. Par contre, le stuff, je sais pas si mes armes elles puent la merde. J'ai pas l'impression. Par contre, j'ai peut-être des améliorations d'armes. Pour avoir plus de munitions, tu vois, ce genre de bail. Et ça, j'ai pas trouvé. Et je tombe en rade de munitions très très vite en fait. En plus des armes, t'as des trucs qui s'équipent, non? Je sais pas. Je sais que je peux crafter des choses. J'ai jamais fait. Tu veux dire ça, là? Mais ça, j'avais jamais vu ça. Attends. C'est quoi? Bof. Bah écoute. Je connais pas le jeu, mais ça a l'air de ressembler pas mal à The Witcher. Bah, je crois que c'est les mêmes studios, non? C'est pas les studios de The Witcher qui ont fait Cyberpunk? Je dis de la grosse de mer. Donc oui, ça doit ressembler dans le gameplay, je pense. Ouais, c'est pour ça, ouais.
Mais j'avoue que j'ai un peu de mal. Hein. Alors j'ai plein de trucs. Et je sais pas trop. Ça par exemple, ça a l'air d'être une amélioration d'armes. Mais je sais pas comment l'équiper. Je sais pas s'il est. En fait, je sais pas s'il est automatiquement équipé ou il faut que je le fasse moi-même. J'en ai aucune idée. Alors, je vais peut-être déjà. Je suis sûre que déjà j'ai plein d'armes là que je pourrais vendre. Puisque ça sert à rien que j'ai 46 000 guns si je choisis toujours les mêmes. Sur les armes, tu as des petits ronds. Où ça? Sur les armes? Tu les vois, toi, les slots? Parce que pas moi. Ah, en haut à gauche, ok, c'est bon, j'ai vu. Alors, attends. J'avais une arme mitraillette. Je crois que c'est celle-ci, qui faisait voilà 228 de dégâts, et je crois que j'ai pas mieux. Donc celle-là, je vais l'équiper ici. On s'est déjà fait. Ensuite... Au niveau du revolver, je viens d'en acheter un qui m'a pas l'air mal. Parce que j'ai... En fait, j'ai en raccourci, j'ai trois raccourcis d'armes. Donc autant que je prenne un raccourci arme lourde, un raccourci arme moyenne et un raccourci arme de poing. Parce que de toute manière, j'ai que... En sorte de munitions, j'ai que justement mitraillette, fusil et tout ça. Ou fusil à pompe ou arme de poing. Oh, celui-là, il a l'air de faire mal. Les balles peuvent ricocher sur les surfaces. Attends, celui-là, il fait plus mal que celui que j'avais là. Je vais mettre ça en arme de poing. Et ça. Pas fou. C'est l'heure de Cyberpunk! Coucou Sylphie! J'avais plusieurs questions parce que je bug sur certaines missions et surtout sur les gameplay Bajar. Du coup, j'essayais un peu de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai cru comprendre que tu pouvais améliorer certaines de tes armes. Et je suis en train d'essayer de voir. Et aussi, j'ai toujours un gros problème de manque de munitions. Et pourtant, avant d'aller sur une mission importante et tout, je fais le plein de mun, je fais le plein de soins et tout ça, mais je me trouve très facilement en rade.
Et je pense que j'ai pas optimisé. Tu vois, par exemple, mon inventaire, il est full. Alors que, bah, globalement, les seules armes que je vais utiliser, c'est celles qui font le plus de DPS. Si je suis pas trop idiote. Donc ça sert à rien que j'ai 40 000 mitrailleuses, 150 000 armes de poing et tout ça et tout ça. Démonte-les toutes. Et fais-toi des munes avec. Alors, on est d'accord que dans un premier temps, j'isole celles qui font le plus de DPS pour les garder dans mon inventaire, pour les garder à l'usage. Tu maintiens un triangle normalement. C'est quoi le mieux? C'est que je garde un type de... Parce que j'ai compris que j'avais trois raccourcis d'armes. Du coup, ce que je pensais faire, c'était garder un raccourci arme de poing, un raccourci arme lourde, et un raccourci pour un troisième type d'arme. Voilà. Petit pistolet, une fréquence rapide et un pompe. Tout le reste, ça dégage. Bon, déjà, j'avais à peu près saisi ça. Donc, c'est pas trop mal. Donc là, j'étais en train de voir. Et parmi les guns, j'avais celui-là. Qui m'a l'air pas mal. Avec un DPS de 180. Alors qu'en moyenne, voilà, ça fait 60 et quelques, les guns. Je voulais garder en mitrailleuse celle-ci. Qui fait 336 de DPS. Qui est clairement ma meilleure arme dans mon inventaire. Et en fusil à pompe, par contre, je n'ai que celui-là, je crois, qui fait... qui est pas ouf. Mais au pire, si je revends toutes mes pièces et tout ça, si c'est possible de les revendre, je peux pas m'acheter un fusil à pompe un peu mieux que ça. Dans une armurerie. Parce que, est-ce que le problème que j'ai rencontré, c'est pas parce que déjà je sélectionnais pas mes armes, donc forcément j'avais des trucs pourrites. T'as une mitraillette épique. Comment ça épique? Tu le vois à quoi? Épique, c'est la couleur, c'est ça? Ton fusil d'assaut. Le D5? Attends. Oui. Il est mieux. Bah, tu le vois à quoi qu'il est mieux? Tu regardes pas le nombre de DPS? Attends. J'essaye de piger, hein, parce que là, c'est pas très clair. Tu le vois à la couleur sur la gauche et aussi au pourcentage en bas. À la couleur sur la gauche. Ok. Donc tu dis que celui-là, il ferait plus mal que celui-là? Que celui-là? Plus 100% de multiplicateur de dégâts dans la tête, c'est ouf. Ok, ok. Mais ça veut dire... Attends. Ça veut dire qu'il faut que je vise dans la tête, ça. Parce que si j'arrive pas à viser dans la tête, il est moins cool, non? Bon, je vais quand même t'écouter, je vais garder lui du coup. Tu t'y connais mieux que moi. Après, si tu joues pas en difficile, je me dis que juste du DPS, au final, ça va. Joue comme t'as envie de jouer, c'est important. Là, je cherche la facilité, hein, en gros. Parce que je galère. Hein. Je galère vraiment. Et j'ai tendance à m'y énerver en fait sur les phases de gameplay où je recommence 20 fois, j'arrive pas. Donc bon.
Bah du coup, je vais quand même t'écouter et je me dis que ça va le faire. Et du coup, voilà, tu m'as dit, du coup, pour vendre les autres stuff, c'est triangle. Tu changes tes équipements aussi. Alors, en fait, je pense que je loot pas assez, déjà. Mais oui, j'ai mis à peu près ce que j'avais, mais j'ai rien de foufou en fait dans mon équipement. Vas-y, mais explique-moi tout, je t'en supplie. Et d'ailleurs, si tu veux venir en vocal et tout, n'hésite pas, si tu préfères plutôt que de taper et tout, les trucs au clavier. Enfin, je sais pas si t'as la possibilité de venir en vocal. J'allais te le proposer. Eh ben, viens. C'est où ce que t'es ? C'est où ce que t'es ? Ce que t'es ? Ce que t'es ? Viens dans... Viens sur mon Discord dans ce que tu veux. Je te rejoins. Je branche mon mic, oui. Branche. Je t'en supplie, explique-moi les bases du jeu là, parce que... Nyano ? Merde, je suis mute. Nyano ? Nyano ? Attends, oui ? Allô ? Allô, bonsoir ! Attends, je vais juste enlever sur le stream, du coup, voilà. Oui. Alors, du coup, au niveau de tes équipements, en fait, t'as toujours tes équipements de quand t'es sorti de chez Charcudox, qui est vraiment pas bon. Ah, et c'est pour ça que je me fais défoncer ? Ouais, en fait, tu te fais défoncer parce que tout ton stuff est blanc, c'est-à-dire que c'est même pas commun, c'est en dessous de commun. Tu vois, ton, genre ton bonnet, ton haut aussi, oui. Ton pantalon et tes chaussures, c'est moche parce que bah t'as... Attends, je t'augmente un peu ton son. Ouais, tu vois, t'as du 3,9 d'armure, du 4, c'est terrible, c'est terrible. D'accord, mais je crois que j'ai rien loot, hein. C'est ça qui est terrible. Et fais-moi voir ton inventaire. Là, je suis pas dedans. Ouais, mais c'est bloqué. Je pense que t'es en mission, c'est ça? Peut-être. Ouais, ça doit. Ah non, là, ouais, va dans. Attends, fais inventaire. Et dans inventaire, normalement, tu peux aller dans ton sac. Ah. Voilà, sac en haut. Non, t'y étais. Voilà. Et là, tu cliques juste sur la petite veste dans les filtres. Comme ça, on va tout de suite pouvoir savoir. Ouais. Et pas mal. Non, mais après, je comprends, Cyberpunk, il est pas si simple à... Ouais, non. Bah, c'est surtout que t'es tellement. Bah, après, je pense que le jeu se veut open world, en mode t'es libre de faire un peu ce que tu veux et tout. Mais ouais. C'est vrai que quand t'as pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu, t'es un peu abandonné, quoi. Bah, t'es un peu perdu, hein, je suis d'accord. Après, là, ce qui serait bien, en fait, c'est que quand tu pourras tout ton stuff commun, en fait, tout ce qui est blanc, que ce soit de l'armure, des armes, ce que tu veux, tu vends tout. Tout ce qui est... Tu vois, en fait, tu vois sur le... Ouais, ouais. Couleur, à gauche, des petites icônes. Tu vois, ouais, ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut que j'ai, en fait, comme couleur, justement? Au moins violet. Ok. Et sinon? En fait, le code couleur, c'est... du plus clair au plus... Haut, c'est blanc, vert. Donc vert, c'est... c'est nul. Commun. Ouais. Ensuite, c'est bleu. Donc c'est rare. Violet, c'est épique. Et après, t'as orange. Orange, c'est le mieux. C'est légendaire. Ok, ok. Est-ce que ça marche de la même manière sur The Witcher? J'en profite. Ouais, c'est exactement pareil. C'est le même code couleur? Ouais, c'est, en fait, c'est les codes couleurs que tu retrouves dans à peu près tous les RPG. Ok. Voilà. Donc okay, ouais, ok. T'essayes d'avoir de l'épique un peu partout. Le mieux à faire, ce serait que quand tu puisses, tu revends absolument tout ce que t'as dans ton inventaire pour te faire des edis. Et les edis, c'est la monnaie du jeu. Ouais, c'est ça, okay. C'est la monnaie. Et après, que tu ailles dans un magasin de vêtements. Donc ça, tu regardes au niveau de ta carte, tu verras, ça apparaît, c'est une petite veste, si je dis pas de bêtises. Ok. Et que tu t'achètes le meilleur stuff possible. D'accord.
Ok, bon, je comprends un peu mieux. Alors, je te dis de la merde en plus. Dans ton appart, donc ouais. L'appart de V, t'as du stuff que tu peux avoir qui sera déjà bien mieux que tout ça. Ok, bon, on va y aller. Voilà, donc tu pourras y aller, puis après tu vas dans les boutiques. En fait, ça, c'est qu'il faut penser parfois à aller dans les boutiques acheter. Si on te donne pas le stuff au ouais, putain, moi j'ai utilisé tout mon argent dans les putes. Je suis désolée, je suis mal. Je suis un peu mal. Je crois que j'ai pas beaucoup de. Si, 1622, ça. C'est ça, c'est bon, mon pognon. Normalement, tu devrais pouvoir te prendre quelques trucs tranquilles. Et puis de toute façon, j'ai vu que t'avais une pléthore d'armes à vendre. Ouais, ouais. Mais ouais, j'ai rien vendu. Fais-moi voir tes armes, je vais te dire ce qui est le mieux, et comme ça, tout le reste, tu pourras le vendre. Ouais. Et là, tu fais juste les armes. Corps à corps, tu t'en fiches, ça tu revends, parce que ça s'utilise jamais. Ok. Du coup, il faut absolument que tu utilises la violette. Bah, en fait, là, tu les... Ouais. Tu utilises la violette qui est tout en haut à gauche. Ouais. C'est très bien. Ensuite, ta petite arme de poing rouge. Donc la troisième, elle sera très bien. Celle-là ? Non, troisième, première rangée, troisième. Ouais, celle-là, ok. Voilà. Il y a un délai. Celle-là, elle sera très très bien pour... Si tu veux, je te stream vite fait mon écran, comme ça, il n'y a pas de délai. Non, ça va aller. Si tu veux. De toute façon, je te fais les petits explicatifs, puis après je repars au fioul avant. Ok, ok. Parce que je suis en train de travailler, mais... Ça peut t'aider, donc... Ouais, mais de ouf, mais merci beaucoup, parce que bah, je pense que, en fait, j'aurais pas eu ces explications, je les aurais pas comprises moi-même, bah et... Ouais, enfin, tu vois, comme dit Trognon, c'est vraiment un coup à prendre le système RPG, qui est le même dans quasiment tous les RPG, hein, mais oui. Mais j'ai... Enfin, des RPG, j'en ai joué, mais très peu en open world comme ça. Et du coup, bah, les codes, je les ai pas, les bases, je les ai pas non plus. Donc c'est très bien que tu me l'expliques, comme ça au moins, je sais ouais. Où je vais. Le mieux, du coup, c'est que tu prennes le fusil d'assaut épique qu'on a vu, le petit pistolet que je t'ai montré, et que tu gardes en troisième arme celle qui a beaucoup de DPS dont tu me parlais. Je pense que ces trois-là, ce sera très bien pour okay. Que tu avances. Et, donc celle-ci, non reste... Ouais, c'est ça. Le reste tu les vends, tu dégages, tu les démontes même pas, tu vas les vendre pour te faire des edis. Ok. Fais attention au poids aussi, parce que ouais en même temps t'as énormément d'armes, c'est normal. Ça ira beaucoup mieux à partir du moment où déjà où tu seras stuff, tu verras que tu te fais bien moins éclater quoi. oui, je veux bien te croire. Et tu verras à partir de ce moment. Merci pour le clip Trognon. Ouais, merci pour le clip. Tu verras à partir du moment de toute façon que tu vas acquérir ça, de souvent changer ton stuff. De toute façon, tu vois quand tu reçois du stuff d'une quête ou quoi. Ouais. Tu auras tout de suite ce réflexe-là de chercher ce qu'il y a de mieux. C'est très simple quand tu joues en normal ou en facile. Plus la couleur elle est violette ou orange, mieux c'est. Point, tu vois. Ok, ok. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup pour les explications. Je vais travailler là-dessus et je pense que ça va aller mieux. Yes, bah, si jamais, ouais. Si jamais j'ai d'autres questions, bah, je te les poserai tout simplement. Ouais. Bah, tu sais quoi, je serai ton joker cyberpunk, c'est-à-dire en cas de grande urgence, tu m'appelles et je viens en vocal pour t'expliquer. Ok, merci. Trop mignon. Mais merci beaucoup, mon poulet. Des bisous.